un mur. C'est l'histoire d'un mur qui était la plaie visible d'une guerre entre deux mondes, entre deux Allemagnes. Celle de l'Ouest et l'autre celle de l'Est, aux mains des Rouges. En 1962, la guerre froide entre le bloc soviétique et le camp occidental atteint son paroxysme. Alors, on construit un mur qui transformera Berlin-Ouest en îlot occidental au cœur de l'Allemagne communiste. Deux Allemagnes, c'est peut-être une de trop. Mais ce mur, lui, paraît indestructible. Il faudra que Gorbatchev devienne le maître du Kremlin en 1985 pour que soient lancés les premiers coups de pioche. Mais on ne les voit pas. Dès 86, au plus tard 87, Gorbatchev a dit clairement à tous les dirigeants communistes de l'Europe de l'Est, ce qu'on appelait les démocraties populaires, qui n'étaient démocratiques ni populaires, bon. Et il a dit très vite, jamais je n'emploierai la force pour défendre vos régimes. Donc c'est la décision de Gorbatchev qui entraîne la suite. Et dès ce moment-là, même si ça n'est pas public, il leur dit dans les réunions internes, dès 86-7 maximum, tous ces régimes sont des morts en puissance en fait. Ils ne le savent pas encore, mais ce sont déjà des zombies. Lorsque le 6 octobre 1989, Mikhaïl Gorbatchev embrasse le dirigeant est-allemand Erich Honecker, c'est le baiser d'un grand frère venu célébrer les 40 ans de l'Allemagne de l'Est. Il ne sait pas encore que c'est en réalité un baiser de la mort. Un mois plus tard, l'Allemagne de l'Est n'existera presque plus. C'est sans conteste une rencontre où des différends n'ont pas encore été surmontés. Et il n'est pas sûr qu'ils puissent être surmontés. Mais il était nécessaire de faire comme si tout allait bien pour le public. Quand on rencontre de hauts fonctionnaires soviétiques, là en l'occurrence ce sont deux secrétaires généraux qui se rencontrent, on se serre dans les bras et on s'embrasse. Gorbatchev est arrivé ayant à la tête l'état réel de l'Union soviétique et ayant des doutes, évidemment par des rapports du KGB et d'autres, sur l'état réel de la RDA. Et pour lui, il pensait que la RDA devait se réformer pour pouvoir se maintenir. Dans la soirée du 6 octobre 1989, les jeunesses communistes défilent devant le patron de la RDA, Erich Honecker. Imperturbable, il entend la foule scander le nom de Gorbatchev, celui par lequel la défaite s'annonce. Mais l'heure est à la fête, et personne n'ose imaginer que cette fête sera la dernière. C'était une espérance. À l'époque, les jeunes en RDA voyaient en Gorbatchev l'espoir que les structures figées se défassent, que le socialisme évolue. Parmi ceux qui scandaient le nom de Gorbatchev, personne ne voulait l'unité allemande ou l'abolition du socialisme. C'était simplement l'espoir que la RDA puisse continuer à exister au travers de l'Alliance soviétique. Et bien sûr, le fait est qu'on aurait préféré des personnalités plus jeunes, comme par exemple Gorbatchev, à la vieille équipe que nous avions en RDA. Et au moment du 40e anniversaire, avec tous ces rassemblements et cette retraite au flambeau, ces cérémonies officielles et Gorbatchev qui regardait sa montre, qu'on pouvait interpréter par « c'est clair, ça sent la fin ». Gorbatchev profite de cet anniversaire pour exhorter le Parti communiste est-allemand à se transformer. Mais sa parole ne rencontre aucun écho dans le parti. Figé dans une histoire passée, Erich Honecker, lui, ne veut rien entendre et continue de censurer toute évocation des changements qui surviennent à Moscou.
Alors, Gorbatchev va forcer le destin de la RDA. Le temps presse. Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику, aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet. Того трудности не должны пугать. Это нормально. Der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben, das ist eine normale Erscheinung. Gorbi, le libérateur, a allumé la mèche. Le lendemain, des jeunes descendent dans la rue pour réclamer plus de liberté. La police réprime et la jeunesse trouve refuge dans les temples. Pendant que les dignitaires communistes cherchent une issue politique, la rue enclenche un compte à rebours dans toute l'Allemagne de l'Est. Je crois qu'au moment des festivités du 40e anniversaire, les dirigeants n'avaient pas prévu des manifestations d'une telle ampleur. Alors qu'ils auraient dû être informés par la Stasi que la colère était en train de monter au sein de la population. Mais à ce moment-là, ils devaient encore croire qu'ils allaient pouvoir contrôler la situation et que la majorité de la population allait être de leur côté. Mais les jours suivants, alors que les manifestations prenaient de plus en plus d'ampleur, ils ont bien dû prendre conscience qu'ils n'avaient plus le soutien de la majorité de la population. L'Allemagne de l'Est a un autre homme fort, toujours dans le secret, toujours caché. Il s'appelle Milke, Eric de son prénom. Il est le patron de la Stasi, la police politique du régime. Il réunit dans son bureau et dans le plus grand secret plusieurs dirigeants est-allemands. Jusqu'ici, tout va bien. Am 8. octobre, le 8 octobre, il y a eu une réunion à la Stasi. Elle était prévue pour que tout soit bien en ordre, pour que les délégations présentes à l'occasion du 40e anniversaire de la RDA puissent repartir dans de bonnes conditions. Et lors de cette réunion, j'ai lu l'ébauche d'une déclaration que je souhaitais soumettre au Politburo et que j'ai d'ailleurs présentée le lendemain. Et dans cette déclaration, il était écrit très clairement que les problèmes politiques ne doivent pas être réglés par la force, mais que les problèmes politiques doivent être réglés de manière politique. Autrement dit, le 8 octobre, il y a eu des consignes claires pour tous les organes de sûreté de la RDA qui stipulait qu'il ne pouvait y avoir de recours à la force que si les manifestants devenaient eux aussi violents. Le 9 octobre, c'est un lundi. Et ce jour doit donner le coup d'envoi d'une série de manifestations pour réclamer l'avènement de la démocratie. Les opposants décident de se retrouver à Leipzig. Des amis nous avaient dit que ce lundi-là, il pourrait se passer quelque chose à Leipzig et que ce lundi pourrait être important, un jour crucial pour les semaines à venir. Et nous voulions filmer puisque nous savions que nous étions les seuls à pouvoir le faire. Mais manifester et témoigner sont des choses impossibles dans l'Allemagne de l'Est d'Erich Honecker. La Stasi veille. Cette police politique est omniprésente, tel un monstre froid. Un état dans l'état, une ville dans la ville. Le grand mur en béton devant l'entrée protège des regards indiscrets. Le monte-charge tourne en permanence pour que les informations remontent au plus vite. Les 100 000 agents et les quelques 200 000 indicateurs en font une arme redoutable, qui fiche, espionne et surveille. La Stasi est une araignée qui tend ses fils et profite de ses yeux nombreux pour que rien ne lui échappe.
Dans mon appartement, en regardant par la fenêtre, j'avais remarqué que pendant des jours et des jours, la Stasi me poursuivait. En fait, il m'accompagnait quand je faisais mes courses, quand j'allais au bistrot. Il m'accompagnait partout et tout le temps pour limiter mon périmètre d'action, pour que je ne sois pas en mesure d'agir. Et donc, je me suis dit, il faut que je sorte de chez moi sans être suivi. Alors j'ai installé des systèmes de minuterie sur les interrupteurs de mon appartement pour que le soir, la lumière s'allume, le téléviseur s'éteigne, la lumière s'éteigne. Et en bas, il pensait, là, il va se coucher, alors que j'étais déjà en route pour Leipzig. Siegbert Schiffke profite de sa ruse et s'échappe par les toits. À lui la liberté et le pouvoir de témoigner. Il se cache en haut d'un clocher, bravant le danger de la police politique. Du haut de sa cachette, il filme les manifestants qui scandent « Nous sommes le peuple » et « Gorbi ». Ces images témoignent d'une histoire incroyable, celle d'un réveil à l'Est. Quand nous étions tout en haut du clocher de l'église et que nous avons vu cette foule de manifestants pacifiques qui scandaient « Nous sommes le peuple, Gorbatchev, Gorbatchev », on savait que si on arrivait à faire passer ces images du côté ouest, elles seraient diffusées le lendemain en RDA par la télévision ouest-allemande. Mon copain m'a dit « Si ces images passent demain à la télé, ça ne changera pas uniquement l'Allemagne et la RDA, ça changera le monde ». C'est une force incroyable qui se dégageait de ces gens dans la rue et qui nous parvenait jusqu'à ce clocher. Et c'était absolument pas ce que le pouvoir avait dit un jour. Ce sont des farfelus, quelques ivrognes qui manifestent là. Là, c'était la preuve que c'était le peuple. $20,000, $30,000, $50,000. À la Stasi, le compteur s'affole. C'est la panique. Très vite, il faut se rendre à l'évidence. Ils sont 70 000 à défier le pouvoir policier de la RDA, du jamais vu. La peur n'a pas encore changé de camp, mais le moment fatidique s'approche. Ce que nous craignons par-dessus tout, c'est qu'il y ait un bain de sang, que les dirigeants du Parti communiste aient recours aux mêmes méthodes que les Chinois sur la place Tiananmen en juin 1989. Et ça a été un immense soulagement quand nous avons reçu cette information par un appel téléphonique provenant de Leipzig. Il y a des milliers de personnes dans la rue et les forces de l'ordre n'interviennent pas. Elles se sont retirées. Siegbert Schiffke a réussi à faire passer ses images à l'ouest. Le soir même, elles ouvrent le journal télévisé. Et pour le protéger, le présentateur ouest-allemand dit que ces images ont été tournées par une équipe italienne. Le soulèvement est désormais connu de part et d'autre du rideau de fer. L'ampleur de ces manifestations était pour nous une surprise. Une surprise réelle parce que nos services secrets et d'autres sources ne nous avaient pas, je dirais, expliqué, l'état réel. L'état réel ou la faiblesse réelle du régime en RDA. C'est vrai qu'à l'automne 89, nous avons été surpris, comme tout le monde, comme d'ailleurs les dirigeants ouest-allemands, par la vitalité d'une partie de ce peuple d'Allemagne de l'Est qui n'avait pas peur, quoi, qui n'avait plus peur. Il y a urgence. Urgence à trouver les mots pour tenter d'enrayer le décompte enclenché par la rue. Au siège du Parti communiste est-allemand, on se réunit et on tente de reprendre l'initiative après l'agitation qui gagne le pays depuis le succès de la manifestation du 9 octobre. Et surtout, il est urgent de tirer les leçons d'un mouvement qui commence à être menaçant. Des dissensions au cœur du pouvoir apparaissent. Le Politburo n'est plus unanime et se lézarde sous la pression de la rue. Le 12 et le 13 octobre, Erich Honecker a tenu un conseil avec les premiers secrétaires du parti.
et il n'était absolument pas prédisposé à évoquer la discussion qui avait eu lieu au sein du Politburo suite au texte que j'avais soumis. Il était simplement d'avis que tout ça n'avait pas d'importance. Et certains premiers secrétaires ont alors protesté. Günther Jahn, le premier secrétaire de Potsdam, s'est manifesté et a dit « Cher camarade Erich Honecker, dans l'histoire de ce parti, il y a un exemple qui montre que, lorsqu'on n'est plus en mesure de diriger, on passe la main à de plus jeunes. C'est ce que Walter Ulbricht avait fait avec toi, et moi, je t'invite à faire de même. » Mais après cette réunion, Egon Krenz me demande de venir dans son bureau. Là se trouve aussi Siegfried Lorenz, qui est le premier secrétaire du parti à Karl-Marx-Stadt et membre du Politburo. Krenz lui dit « Siegfried, bouge-toi les oreilles, je souhaite demander quelque chose à Hans. » Il me demande alors si je suis d'avis qu'il est temps de destituer Erich Honecker. Et moi, j'ai répondu très clairement « Oui ». Éliminer Honecker, d'accord. Mais pour qui et comment? Les apparatchiks sont orphelins du chef et méfiants dans un monde où les murs ont si souvent des oreilles. La situation a nettement évolué et la distance vis-à-vis de Honecker s'est agrandie. Mais la confiance qui règne entre Krenz et moi n'est pas assez forte pour que nous en parlions. Au Parti communiste, l'heure est au complot. Il faut se débarrasser du camarade Honecker. La prochaine réunion du Politburo est prévue les 17 et 18 octobre. Le Parti communiste entre dans un affrontement qui prend des allures de sauve qui peut. La rue, elle, se donne rendez-vous le 16 octobre. Lorsque la manifestation du 16 octobre débute, l'air est étonnamment léger. Et Siegbert Schiffke cache sa caméra dans un sac. Mais il est descendu de son clocher pour se mêler à la rue. Des banderoles commencent à apparaître dans le cortège. Les querelles et intrigues de palais au cœur même du Parti communiste ont fini par laisser le champ libre aux manifestants. Si le 16, tu sors par la porte d'entrée pour aller à ta voiture et que tu ne t'évades plus par le toit, c'est que la peur a disparu. Et cette peur, elle a fini par se dissiper complètement pendant le trajet vers Leipzig, puisqu'on n'avait pas doublé de convoi militaire. Donc on savait que dans la ville, il n'y aurait pas de grandes unités militaires qui pourraient nous inquiéter, nous menacer. Le 9 octobre, quand on les dépassait, je trouvais ça angoissant de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et bien sûr, les manifestants sont eux aussi devenus plus courageux. Ils étaient incroyablement créatifs, avec des banderoles et des slogans. Au siège du Parti communiste à Berlin, les intrigues de palais ont repris. Il s'agit de tout faire pour s'assurer du renversement du camarade Honecker le lendemain. Egon Krenz entend convaincre tous ses camarades. Avant de tirer les couteaux, on les affûte. Nous avons discuté avec tout le monde, sauf avec Erich Honecker, Günther Mittag et Joachim Herrmann. En fait, il n'y avait quasiment personne qui hésitait. Si bien que le travail de persuasion pour montrer la nécessité d'opérer un changement à la tête du parti n'était pas ce qui était le plus compliqué. Ce qui était le plus compliqué, c'était de le mettre à exécution. J'ai parlé avec presque tous les membres du Politburo lors de la réunion du 17 octobre. L'ensemble du Politburo était d'avis qu'Erich Honecker n'était plus en mesure de rester à la tête du parti. Pendant qu'Egon Krenz prépare la chute d'Erich Honecker, la rue berlinoise est elle aussi agitée par des manifestations. Et surtout,
l'opposition se sent de plus en plus forte et commence elle aussi à préparer le jour d'après. Le 16, je n'étais pas à Leipzig, mais à Berlin. Il y avait beaucoup à faire aussi. J'étais porte-parole dans notre mouvement citoyen « La démocratie maintenant ». C'était un groupe assez petit, mais qui formulait des thèses très précises. Et un thème auquel nous nous consacrions était la réunification. Au PC comme à la Stasi, l'heure est à l'inquiétude. On sort les dossiers et on tente de contrôler tous les agitateurs. La répression comme horizon, l'ouverture comme moyen politique. Egon Krenz pense avoir préparé son coup d'État. Le 18 octobre a lieu une réunion du comité central. Et lors de cette réunion, il règne une ambiance toute particulière. Moritz Mebel, un urologue mondialement connu, membre du comité central, se manifeste lui aussi lors de ce plénum du comité central. Il prononce ces mots qui aujourd'hui encore me touchent beaucoup. En tant que lieutenant de l'armée rouge, j'ai été un homme courageux et j'ai combattu le fascisme. Mais au sein du comité central, je n'ai jamais vraiment été courageux. C'est pour ça que je souhaite proposer et que je demande au camarade Erich Honecker de se retirer. De conciliabule en intrigue de couloir, tout semble avoir été préparé pour évincer en douceur le camarade Honecker. Mais il n'entend pas mourir seul. Et surtout, dans un ultime sursaut propre aux grands animaux de pouvoir, il discrédite tous ses successeurs possibles par une manœuvre d'une grande habileté et totalement désespérée. Après ce débat, Honecker s'était manifestement rendu compte qu'il n'avait plus la confiance. Et il a alors décidé de se retirer. Erich Honecker, aujourd'hui je dirais tout simplement, il a déjoué son renversement. Puisqu'Honecker se rend lui-même à la tribune et annonce sa démission. C'est vrai que Honecker a voté pour sa propre destitution. Cela est bien sûr lié à sa fonction. Quand il s'est aperçu que plus personne ne le soutenait au sein du Politburo, il a alors voté pour. Mais il a aussi dit une phrase très intéressante, « Aujourd'hui, c'est moi, et demain, ce sera vous qui devrez partir. » L'honneur est sauf. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Mais Honecker, un peu quand même. Il devine déjà que son éviction ne constituera qu'un changement dans la continuité. Pour le meilleur, pense-t-il. L'histoire sera plus cruelle encore. Mesdames et messieurs, bonsoir. Egon Krenz est le nouveau premier secrétaire général du parti. Il a été élu cet après-midi. Le comité central a accepté qu'Erich Honecker, à sa demande, soit libéré de sa fonction en raison de son état de santé. Il a été gracieusement remercié pour son œuvre politique. Monsieur Krenz, meilleurs vœux pour votre élection. Merci. Il y aura un discours ce soir, mais pourriez-vous déjà nous dire quelques mots? Comment se sent-on au début d'une telle étape? J'aimerais dire pour le moment que beaucoup de travail nous attend. Du travail, vous voyez, et encore du travail. Survient ensuite le problème suivant. Un véritable scandale. Le fait que Honecker s'en aille et que le nouveau secrétaire général arrive et s'adresse au peuple en disant « Chers camarades », montre tout simplement qu'on n'est pas préparé, qu'on ne sait pas vraiment quelle direction prendre et qu'on fait comme si soudain tout le peuple était devenu membre du Parti communiste. Unser Gesicht ist dem Volke zugewandt. Zur Wahrheit, zu der wir stehen, gehört auch, dass wir unbeirrt dem Gesetz der Geschichte folgen, dass der Sozialismus die einzige humanistische Alternative zum Kapitalismus ist.
On était tout simplement... En fait, j'arrive même pas à mettre des mots là-dessus. Abattu ? Abattu, non, ça on l'était pas, puisqu'on n'était pas tombé à terre. Mais peut-être qu'on peut le dire simplement comme ça. On n'arrivait tout simplement pas à y croire. On ne pouvait qu'en prendre acte et secouer la tête, puis laisser passer une nuit et se demander pendant quelques jours comment serait l'avenir de ce pays avec ce Krenz. Egon Krenz a réussi. L'apparatchik intrigant est devenu le maître de la RDA. Mais Erich Honecker ne peut en réalité se résoudre à quitter le pouvoir, et c'est en toute camaraderie qu'il aura l'éloge mortel. Egon Krenz est le meilleur pour me succéder, dira-t-il. Manière de saper les débuts de son successeur. C'était... Je ne sais pas s'il l'a fait sciemment, mais c'est évident que c'est pour ça que les gens dans la rue voyaient en moi le petit Eric, ou le Eric mais en plus grand, à cause de ma taille. En tout cas, Honecker a clairement contribué à augmenter l'hostilité envers Egon Krenz, qui était déjà très répandu à travers la RDA et aussi dans le parti. Il a montré en quelque sorte que le changement qui s'était opéré là n'était pas solide. En fait, c'était un non-événement. Nous étions certes contents qu'Erich Honecker ait été remplacé, mais que ce soit justement Krenz qui devienne son successeur, ça, c'était une plaisanterie. Que ce Krenz devienne le chef du gouvernement et du parti, lui qui avait applaudi la solution chinoise, ça c'était tout à fait inadmissible. Egon Krenz n'est pas le nouveau maître de Berlin-Est. Il est tout simplement un chiffon rouge qui cristallise toutes les oppositions et pousse les manifestants à descendre dans la rue dès le lendemain de sa prise de fonction. Plus tard, il y a eu une caricature où on voyait Egon Krenz avec une tête de loup qui disait « Mère Grand, pourquoi as-tu de si grandes dents ?» Donc, personne en RDA, du moins pas nous, l'opposition, ceux qui militaient pour les droits civiques, n'avaient la moindre confiance en lui. Et on était d'avis que si c'était vraiment lui, les choses ne pouvaient alors qu'empirer. En fait, ce n'était pas le vieillard Honecker qui prend le volant et qui fonce dans un arbre en défonçant tout sur son passage. Non, non, c'était un presque sexagénaire. En fait, nous, on se disait, c'est terrible, terrible. Donc, adieu les réformes, adieu Gorbatchev. Après les 9 et 16 octobre, Siegbert Schiffke retourne à Leipzig. Mais là, comme des milliers d'Est-Allemands, il ne se cache plus. La rue n'appartient plus au pouvoir, ni même à la tristement célèbre Stasi, mais au peuple est-allemand. Et je crois que l'imagination des manifestants avait elle aussi ses limites. On va où, là ? Ça va mener à quoi ? Bon, d'accord, le gouvernement va peut-être dégager, mais après ? Oui, la peur était toujours présente, c'est clair. Cette peur a fini par se dissiper, mais elle était toujours un peu là. D'ailleurs, on voit ces gens au visage crispé qui finissent par oser lancer quelques mots à la caméra, ou qui soudain se montrent très courageux, ou qui ne reculent plus brusquement pour éviter qu'on les filme. À chaque jour, sa manifestation. La rue ne désemplit plus. Dresde, Leipzig, Berlin, Iéna. Toutes les villes est-allemandes sont en ébullition. Face à cela, le pouvoir politique multiplie les intrigues dans un sauf-qui-peut général. Le temps va trop vite. Au Parti communiste, chacun joue sa carte. Et les forces de l'ordre témoignent d'une bienveillance toute nouvelle pour les opposants. Ich spreche erneut ein tiefes Bedauern aus und die Entschuldigung, dass es an diesen Tagen
zu Härten, zu Übergriffen gekommen ist, die menschliches Leid und seelisches Leid hervorgebracht hat. Lorsqu'un pouvoir politique perd pied, il envoie son porte-parole. Et les communistes est-allemands en ont un, Günther Schabowski. C'est à lui d'expliquer une politique dont plus personne ne veut, de masquer le désarroi des dirigeants. Il le fera avec une loyauté intacte, au nom de sa fidélité à Egon Krenz, au nom aussi de son ambition. Monsieur Schabowski, bonsoir et un grand merci de vous rendre disponible à cette heure tardive. Bonsoir. Monsieur Schabowski, vous avez parlé ce midi avec le pasteur Fork. Vous avez mis en perspective un changement, un renouvellement du droit de manifester. Pourriez-vous préciser ? Nous considérons que la rue n'est pas l'endroit approprié pour le dialogue. Le dialogue a déjà commencé il y a un moment pour les citoyens. Il y a de nombreuses possibilités de s'exprimer, de partager leurs points de vue, leurs propositions. Je suis certain que cette prise de conscience va s'imposer parmi la majorité de nos concitoyens. Et nous aurons de moins en moins à parler de ce qui se passe dans la rue. La déliquescence d'un pouvoir agit parfois comme un révélateur sur les hommes. Günther Schabowski laisse désormais parler son ambition. Il joue sa carte, se rêvant en unique rescapé du chaos politique. Ich möchte ferner wissen, was Herr Schabowski dazu sagt, wie wird die Opposition einbezogen in das weitere politische Geschehen in unserem Land? Wir müssen doch im Gespräch zueinander finden. Das hat es doch bisher nicht gegeben. Mais Schabowski n'est pas le seul. Tout se confond. Faut-il sauver sa tête au cas où le régime s'effondre, ou bien faut-il sauver le régime pour mieux se protéger? Cette question hante désormais tous les dirigeants est-allemands. Hans Modrow n'hésite pas à descendre dans la rue aux côtés des opposants. Ende octobre. Fin octobre, avec le maire de Dresde, Wolfgang Berghofer, je prépare à une manifestation. Et là, à Dresde, nous avons essayé de lancer un dialogue. Nous avons organisé trois grandes manifestations où des représentants des partis et des mouvements ont pris la parole. Nous avons donc initié un dialogue en faisant circuler des micros parmi les participants pour qu'ils puissent poser des questions et alimenter le débat. Egon Krenz part chercher de l'aide à Moscou. Il sait que les temps ont changé et que le soutien du Kremlin ne peut qu'être qu'économique. De quoi satisfaire les exigences de la rue et relancer une économie exsangue. Ich habe Genossen Michail Sergejewitsch Gorbatschow sehr gut verstanden, auch ohne Dolmetscher. Weil eigentlich eine historische Erfahrung der deutschen Arbeiterklasse besagt, nur im engen Schulterschluss mit unseren sowjetischen Freunden kommen wir voran. Brauchten wir Unterstützung? C'est vrai que nous avions besoin de soutien, puisque nous ne voulions pas que la RDA prenne le chemin qu'avait pris la Hongrie ou la Pologne, à savoir que nous ne voulions pas dépendre du FMI ou de la Banque mondiale, car sinon un renouveau ou une évolution du socialisme n'aurait pas été envisageable. Le voyage de Krenz à Moscou à l'époque, début novembre, n'est pas resté inaperçu. Et nous étions plus ou moins au courant de l'état réel de l'Union soviétique, surtout de ses finances et de l'économie. Et c'était clair que Gorbatchev ne pouvait pas aider Krenz. Gorbatchev m'a dit que l'Union soviétique était elle aussi dans une situation difficile. Et il m'a également dit, tu sais, si je te communiquais les chiffres effectifs de notre budget de la défense, ce que nous dépensons pour les autres pays et pour le programme militaire de guerre des étoiles, si j'additionnais tout ça,
tu serais surpris. Et tu ne demanderais même pas si nous sommes en mesure de venir en aide à la RDA. À l'époque, il m'a dit très clairement, nos problèmes, nous ne pouvons les résoudre que conjointement. Et il a également suggéré que les relations commerciales se fassent à trois, entre la RDA, l'Union soviétique et la République fédérale d'Allemagne. Le Kremlin n'a plus les moyens d'être le bailleur de fonds d'une RDA à l'agonie. Mais surtout, le camarade Gorbatchev pousse les dirigeants est-allemands à s'entendre avec ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Et depuis presque toujours, le voisin de l'Ouest est prêt à aider, mais en exigeant des dirigeants est-allemands des réformes. Plus de démocratie, plus de liberté pour les Allemands de l'Est. Egon Krenz le sait, il y aura un prix à payer. Il ne sait pas encore qu'il sera énorme. Krenz a pris contact avec nous, avec l'Allemagne de l'Ouest, dans les journées après, pour avoir de l'aide. Et nous étions, au fond, prêts à aider la RDA, moyennant ce que j'appelle l'ouverture humanitaire et démocratique davantage. Oui. Dans nos discussions avec Egon Krenz et Hans Modrow, nous avons toujours insisté sur le point suivant. La RFA est prête à apporter d'importantes aides financières si Berlin-Est change radicalement sa politique, à savoir réforme économique, ouverture des frontières, liberté de voyager et élections libres. Le 4 novembre restera sans doute à jamais comme l'épilogue de ce mois d'agitation. Il y a moins d'un mois, les jeunesses communistes défilaient dans une retraite au flambeau. Maintenant, ce sont les écrivains qui appellent à une immense manifestation réclamant le droit au voyage. Ils seront 1 million. Une démonstration de force à laquelle certains dirigeants tentent désespérément de se raccrocher, comme le désormais célèbre Günther Schabowski. Bitteres ist hier gesagt worden. Es geht an unsere, auch an meine Adresse. Nur wer die Mahnung hört und versteht, ist fähig zu neuem Anfang. Wir alle wollen eine DDR, von der jeder sagen kann, das ist unser Land. Viel Mühe! Viel Mühe wird es kosten. Vertanes Vertrauen zurückzugewinnen. Schabowski ging davon aus, dass Schabowski ambitionnait, je vais le dire sans détour, de rester dans les affaires. Et puisqu'il était malin, pas forcément intelligent, il s'est dit, si tu prends la parole ici, tu as des chances de rester à la tête du Parti communiste. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est carriériste et aventurier. En tout cas, il l'était à l'époque, hein, c'est évident. C'était aussi quelqu'un de superficiel. C'était quelqu'un qui, en fait, ne comprenait pas lui-même ce qu'il faisait et comment il devait se comporter pour accéder aux responsabilités. Tätig sein kommen könnte. Je dirais que ce n'était pas une manifestation de l'opposition. Mais toute la conception de cette manifestation était un compromis avec les anciens dirigeants, qui, effectivement, ont pris la parole pour un grand nombre d'entre eux et qui voulaient saisir l'opportunité d'afficher un nouveau visage pour regagner un peu de crédibilité. À un moment donné, je me suis dit, et pourquoi on n'irait pas tous à la porte de Brandebourg? Pourquoi ce million de personnes s'arrête-t-il à 500 mètres de la porte de Brandebourg et se dirige-t-il vers un autre endroit? Pourquoi on ne passerait pas tout simplement sous la porte de Brandebourg?
Comme ça, l'affaire aurait été réglée. Mais bon, personne n'y a pensé. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de camarades de la Stasi qui défilaient et que ça ne pouvait pas leur venir à l'esprit. Droit au voyage. La rue s'époumonne. Et Egon Krenz veut accorder ce droit pour trouver une solution à la contestation, pour répondre aux exigences de l'Allemagne de l'Ouest en échange d'argent. La rue déborde. Et lui, Egon Krenz, seul dans son bureau, envisage de jouer un coup de poker dans un dilemme terrible. Lui, l'apparatchik qui doit tout à la RDA, doit permettre aux femmes et aux hommes de la quitter. Il va ouvrir les frontières de l'Allemagne de l'Est. Il faut dire que ces frontières sont devenues un peu des passoires. Depuis le début de l'été, la Tchécoslovaquie et la Hongrie sont traversées par des Allemands qui vont ensuite en Autriche, dans une folle ruée vers l'Ouest. Avec toujours la peur au ventre, mais l'ardent désir d'être libre. Cette conquête d'un nouveau monde, hier encore ennemi et depuis 40 ans interdit, Egon Krenz veut y répondre favorablement. Il joue en réalité non pas un coup de poker, mais un va-tout sur fond d'impuissance politique et de tensions entre camarades. Le 9 novembre, le comité central se réunit. Egon Krenz entend bien imposer sa dernière carte. Très vite, les mots du patron communiste de la RDA sont ceux d'une ouverture. Dass es ein Problem gibt, das uns alle belastet, die Frage der Ausreisen. Die tschechoslowakischen Genossen empfinden das allmählich für sich als eine Belastung, wie ja früher auch die ungarischen. Schließen wir die Grenzen zur CSSR, bestrafen wir im Grunde genommen die anständigen Bürger der DDR. Es war eine Information. Une information sous forme de communiqué de presse a alors été élaborée. J'ignore comment Schabowski et Krenz se sont arrangés et ce qu'ils ont fait concrètement. Le fait est, et ça je le sais précisément, que ce communiqué de presse ne devait être rendu public que le 10 novembre à 5 heures de l'après-midi. Au moment où Schabowski allait se rendre à sa conférence de presse, il m'a demandé « Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais que je parle ?» Je lui ai alors donné cette déclaration que j'avais lue devant le comité central et qui avait été approuvée, en supposant qu'il sache lire et qu'il ne dise pas autre chose. Car lui, en tant qu'homme des médias, il savait parfaitement que si quelque chose est publié, alors on peut dire dès maintenant, immédiatement. Mais si je le publie le 9, alors il faut dire à partir de demain. Alors on m'a informé qu'un communiqué a été distribué aujourd'hui. Vous devez être en sa possession. Des voyages privés vers l'étranger peuvent donc être demandés sans condition, sans donner les raisons du voyage ou sans avoir des relations familiales. Des accords seront donnés dans un bref délai. Des sorties du pays peuvent être effectuées par toutes les frontières de la RDA vers la RFA. Est-ce aussi valable pour Berlin-Ouest ? Oui, oui, les sorties permanentes peuvent avoir lieu à partir de tous les points frontaliers vers la RFA ou bien par Berlin-Ouest. Quand est-ce que cela rentre en vigueur ? À ma connaissance, ça rentre en vigueur tout de suite, immédiatement. Dans ce Politburo, c'était le chaos. Personne ne savait vraiment ce qui avait été décidé. Les médias ont repris cette phrase de Schabowski et ensuite la situation est devenue incontrôlable. Et les gens ont afflué vers les postes frontières. Les douaniers n'ont reçu aucun soutien, aucune information de la part de leurs ministres respectifs. Tout s'est compliqué. Les gens ne se sont pas rendus à la frontière pour prendre d'assaut le mur, comme cela est dit aujourd'hui, mais en y ayant été, pour ainsi dire, invités par Schabowski. C'est des situations où l'histoire s'accélère, plus aucun pouvoir n'est de pouvoir. Donc il n'y a pas à surinterpréter
ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'au poste frontière, les policiers qui la contrôlaient, les fameuses forces qui avaient tiré sur tellement de malheureuses personnes de Berlin-Est qui tentaient de franchir le mur, il y a eu beaucoup de morts. Bon, les successeurs, les remplaçants de ces forces de police, ils n'ont pas osé tirer. Ils n'ont même pas osé laisser la porte fermée. Donc ils ont ouvert. Ils ont demandé des instructions à leur hiérarchie qui s'était désintégrée. Ils sont tombés sur deux, trois types qui ont dit « j'en sais rien, fais comme tu peux ». C'est la fin, c'est la désagrégation. Et je vois encore aujourd'hui ce policier, ce garde frontière en uniforme, qui était dressé là et qui secouait la tête comme ça. Et puis un autre, qui était dans ses guérites, où habituellement il vérifiait les passeports, qui disait « moi je ne fais plus rien aujourd'hui, je ne fais plus rien ». Et tout à coup, on s'est retrouvés côté ouest, et c'était complètement fou. Que s'est-il passé dans la tête de Günther Schabowski? Est-ce de la précipitation, de l'ignorance ou du calcul? Un mauvais calcul. On ne le saura jamais. Ce mot malheureux appartient désormais à l'histoire comme le signe tragique de la fin. Le temps s'est en réalité arrêté pour les dirigeants est-allemands. Mais il continue pour la rue. J'étais à une fête d'anniversaire dans le quartier du Prenzlauer Berg. Et à cette fête, tout à coup, il n'y a plus eu de vin. Quelqu'un a alors dit qu'il descendait en chercher dans le bistrot qui se trouvait juste en bas de l'appartement. Puis, il est revenu dans l'appartement avec quatre bouteilles de vin. Il était blême et a dit « il s'est passé quelque chose ». Le patron a payé sa tournée de bière à tout le monde et la patronne est en train de pleurer près du comptoir. Et tout le monde pousse des cris de joie. Il paraît que le mur est ouvert. Nous avons alors allumé la télé et on a vu et revu ce moment où Schabowski lisait son papier immédiatement, la possibilité de voyager. Et nous, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On est monté à bord de deux Trabants et on s'est rendu à la porte de Brandebourg où, pendant un laps de temps, je crois que c'était entre minuit et 3 heures du matin, il y avait la possibilité de sauter par-dessus le mur. Et tout Berlin était dans le même état. Sur le Kurfürstendamm, on faisait péter le champagne et les gens criaient, pleuraient, et riaient, et se serraient dans les bras. Oui, c'est tout simplement indescriptible. C'était... Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à décrire, qu'après coup, on n'arrive plus à décrire. La naissance de mes enfants, tu ne te souviens plus bien, car c'est un sentiment que tu n'arrives plus à décrire. Et tu n'arrives pas non plus à décrire ces quelques pas qui te mènent vers la liberté. En fait, aujourd'hui encore, ça m'arrache des larmes. C'est aussi simple que ça. C'est indescriptible. Il y a comme ça quelques instants de la vie pour lesquels il n'y a pas de mots, tout simplement parce qu'ils ne sont pas saisissables. Il n'y a plus qu'un Berlin. Et bientôt, il n'y aura plus qu'une Allemagne. C'est la fin de l'Allemagne communiste. Un pays ne peut exister sans frontières. Et ce soir du 9 novembre 1989, une frontière a disparu. Au terme d'un décompte enclenché un mois plus tôt. Un décompte fatal. Le mur n'existe plus. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt la fin d'une histoire.
Le matin, j'ai pu retourner à Berlin-Est, même sans passeport, pour aller réveiller mes enfants à 6 heures. Puis on les a habillés, on ne les a pas emmenés à l'école. On les a pris par la main et on s'est rendu au poste frontière de la Bornholmer Straße pour repasser ensuite du côté ouest. Et entre-temps, le soleil s'est élevé et nous, on était ébahis devant les étalages des primeurs et on regardait ces différents fruits qui poussent à travers le monde mais que nous, on n'avait encore jamais vus. Et dont on ne connaissait ni le nom, ni le goût. Puis on est allé dans des librairies et on avait des larmes dans les yeux devant tout ce qu'on pouvait acheter là. Et voilà, c'est comme ça que nous avons passé notre première journée à Berlin-Ouest.